La police a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser des habitants de Makanda dans la province du Cap Oriental en Afrique du Sud qui manifestaient contre le manque de services publics dans leur commune. Cette manifestation intervient alors que le pays célèbre les 25 ans de la fin de l'apartheid. Mais pour les protestataires, la liberté reste sujette à caution dans leur pays. Il n'y a pas de jour de la liberté, il n'y a pas de liberté, on est toujours sous le joug de l'apartheid. La police est plus en sécurité avec ses armes, mais nous avons voté pour ce président, pas pour eux. Nous avons les mêmes droits qu'eux d'être là, nous avons les mêmes droits d'être là aussi. Mais le président sud-africain navigue à contre-courant de cet avis. Cyril Ramaphosa vante d'ailleurs une nation non raciale. En cette journée de la liberté, chers compatriotes, nous avons beaucoup à célébrer. La plus importante de nos réalisations a été la promotion de notre nation dans une Afrique du Sud démocratique, unie, non raciale et non sexiste. C'est dans ce contexte que le pays s'apprête à organiser des élections générales le 8 mai.